Salut tout le monde! Aujourd'hui, mardi 23 février 2021, je donne des petites nouvelles. Et ben voilà, les premiers jours de beau soleil. Franchement, ben là, il n'y a pas à se plaindre. Hein. Regardez, il est 9h30 du matin, manche courte, soleil. Franchement, il fait bon là. Donc là, en température extérieure, on est à 10. Température intérieure du camion, je suis à 12. Ça va, hein, on est en début de matinée, donc ça va. Hier soir, sans chauffage, hein, donc j'allume plus le chauffage, j'ai enlevé aussi toutes les couvertures, hein, maintenant c'est la couette et point. Hein. Terminé, donc voilà. Et hier soir dans le camion, température extérieure, j'avais à 21h, hein, 21h, j'avais 10 extérieurs et 14, non, c'est faux, pas 14, j'avais 19 intérieurs. Et 10 extérieurs, donc 10 après c'est passé à 12, donc vous voyez, voilà. Mais non, franchement, hier soir je trouve qu'il faisait même plus chaud que ce matin. Mais bon, pour le moment, ça va bien. Après ils annoncent, je crois qu'ils annoncent 20 pour cet après-midi. Donc moi j'ai changé de... je suis plus à Ballan. Là, j'ai changé de spot. Je suis retourné sur mes yeux, mais en vérité, je vais repartir cet après-midi sur Ballan. Parce que là, il n'y a toujours pas l'eau. Ils ne nous ont toujours pas allumé l'eau. Alors, bien sûr, c'est pas pareil. Là. C'est en pleine nature. Machin, les tuyaux sont peut-être moins. Les canalisations sont peut-être moins protégées. Hein, voilà, donc c'est pour ça que je vais repartir sur Ballan. Bon, Ballan, on n'est pas loin, hein. on est à 7 km là. Donc voilà, hein. Voilà, ben là, je profite un petit peu de la tranquillité du parking, là, voilà, hein. Le chant des oiseaux, le calme. Là. Bon, il y a quelques voitures, il y a la police municipale qui est passée, enfin. Elle passe, elle repasse, enfin elle fait des tours quoi. Elle fait des tours des tours de parking. Voilà, police municipale. Je pense que dans le week-end, c'est même pas que je pense, on m'a dit que ce week-end, il y avait eu le bordel sur ce spot. Parce qu'ils sont venus faire un barbecue, machin, ils ont laissé tout traîner. Effectivement, moi j'ai quand même nettoyé. Et on voit des bouts de verre là-bas, enfin, par terre, je pense qu'ils ont dû fracasser une vitre de bagnole. Ici, c'est constamment, c'est pour ça que je reste plus là, quoi. Là, je viens, et puis quand je viens, j'abandonne même pas le camion. Je reste à côté du camion parce que, voilà. Donc moi quand je suis venu hier en début d'après-midi, il y avait plein de monde là sur ce parking, plein de monde. Donc c'est un parking que j'ai l'habitude de venir, hein, mais voilà, puis ça devient de pire en pire. Donc voilà. Alors, j'ai une bonne nouvelle par rapport à mon auto-entreprise. Donc j'ai une bonne nouvelle.
J'ai un chantier qui va démarrer quand, j'en sais rien, mais il doit démarrer. On va faire appel et après, ils vont m'appeler. Donc c'est pour faire un nettoyage de fin de chantier avec de la manutention. Nettoyage de fin de chantier avec manutention. On doit m'appeler ou dans la semaine ou semaine prochaine. Ici dans le coin, hein, c'est ici dans le coin. Alors après, n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook, Entreprise Labarre JM. Allez voir, mettez des avis, éventuellement, hein, c'est pas une obligation non plus. Mettez des avis, regardez un petit peu dans les rubriques ce que j'y mets. Si vous connaissez du monde, vous avez besoin, que ça soit en Bretagne, en Normandie, en Alsace, en machin, il n'y a pas de souci, je suis opérationnel, il n'y a pas de problème. Je prends ma maison et j'y vais, moi, je suis comme les tortues. Donc, une chose aussi que je tiens à préciser, pour en terminer avec l'entreprise, hein, parce qu'on ne va pas tout le temps parler de l'entreprise, hein. Voilà, moi, je vous donne des petites nouvelles comme ça, pour en terminer avec l'entreprise, il n'y a pas de grande hauteur au lavage de vitres, je ne fais pas les grandes hauteurs, parce que, justement, si les gens allaient voir ma page, c'est tout dit dessus, parce que j'ai souvent des coups de téléphone, est-ce que vous faites les grandes hauteurs? Non, je ne fais pas les grandes hauteurs. Je ne fais pas les grandes hauteurs parce que c'est tout un matos, c'est tout un. Enfin, il faut les échafaudages, il faut tout un tas de trucs. Les nacelles, les cordes, les baudriers et puis tout ce qui s'ensuit. Donc non. Voilà. Je ne m'amuse pas avec ça. Pareil pour les machines, les autolaveuses et tout ce qui s'ensuit non plus. Je fais pas avec ça, moi, c'est à l'ancienne, hein, voilà, c'est, puis moi je trouve que, après chacun sa spécialité, hein, chacun son truc, mais moi je trouve que le nettoyage à la main, moi je trouve que c'est plus efficace, parce qu'on voit une tache, une grosse tache ou quoi que ce soit, on se met à quatre pattes par terre, et puis on la frotte la tache, voilà, c'est pas la machine, moi ça c'est mon... C'est ma façon de voir les choses, hein, de faire les choses, voilà. Moi je profite bien du soleil. Et puis voilà. Donc je me suis remis un petit peu au sport, là. Ce week-end, j'ai fait une bonne balade vélo. Il faisait super bon. Là on est quand même... là c'est agréable, hein. Le soleil, le jour se lève plus tôt, le soleil se couche plus tard le soir. On est mieux là, on profite mieux quoi. J'espère que vous allez tous bien. Que tout marche bien pour vous. Moi pour le moment tout marche pas bien, mais bon, voilà. Hein. Ça marchera bien, ça finira bien par donner quelque chose. Mais je suis pas à plaindre, hein. Regardez, je suis nickel, je suis bien, des belles chaises, on a à boire, pêche cassis, ça c'est bon ça. C'est bon, on se croirait au printemps. Franchement, on se croirait au printemps, alors qu'on est encore en hiver. Voilà. Sur le spot où je suis, là, c'est devenu scabreux sur ce spot. C'est devenu scabreux parce que, par exemple là-bas, je vois, ce week-end, il y a une bagnole qui s'est fait défoncer là. Ils ont pété les vitres.
Voilà, ils ont aussi là, ici juste devant, là, hein, j'ai dû nettoyer en arrivant hier, eh ben, ils ont fait barbecue, d'ailleurs j'ai récupéré même les grilles. Alors, pour dire, hein, j'ai même récupéré les grilles, donc ils ont fait le barbecue, ils traînaient des os, ils traînaient tout un tas de trucs là, alors qu'il y a une poubelle qui est juste là. Juste à l'avant du camion, il y a une poubelle. Non, non, mais ils ont tout laissé traîner là, donc voilà. Et puis hier, bah, j'étais posé là, tranquille. Et puis il y a une dame qui est venue me voir avec un chien. Qui est venue me voir, je me suis dit, bah tiens, elle vient me draguer. Ben que dalle, elle n'est pas venue me draguer. Elle est venue m'engueuler en me disant, oui, vous faites pas comme le week-end, comme ce week-end, vous laissez pas traîner vos merdes. Ce week-end, j'étais pas là. Donc voilà, enfin de trucs comme ça, ben bon, voilà, à les gens, ça c'est des gens qui n'ont rien à dire, et puis voilà. Donc elle est venue m'agresser, alors que j'étais bien tranquille, bien cool. Oui, vous faites pas comme ce week-end, nous, ça nous dérange. Vu comme ce week-end, ben, il fallait, donc c'est ce que je lui ai dit, hein, je lui ai dit, ben, il fallait dire aux gens qui étaient là, parce que déjà moi j'étais pas là, le camion n'était pas là non plus, donc voilà, et je lui ai dit, hein, je lui ai dit clairement, ben, allez voir les gens, pourquoi vous n'êtes pas allé voir les gens qui faisaient le barbecue, et puis c'est vrai qu'il y avait des canettes de partout, hein, des trucs de partout, mais bon, au lieu de venir me voir moi qui n'étais pas là, qui ne savait même pas ce qui se passait, ben, elle aurait mieux fait d'aller les voir directement puisqu'elle l'a vu. Elle les a vus, donc ouais, ben voilà. Voilà. On préfère mieux s'attaquer à une personne toute seule, qui ne demande rien à personne, qui ne demande rien à personne, et puis voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ça ne me gêne pas plus que ça. C'est vrai que j'ai appris à relativiser maintenant les choses, hein, donc maintenant, bah, voilà. C'est comme ça. Hein, ouais, y a les gens, bah, ils profitent de se promener. Il y a plein de gens qui passent, là, ils profitent de se promener. Ouais, c'est vrai qu'on est bien là. Bon, ouais, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, bon courage pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui travaillent pas et qui veulent travailler, ben, comme moi, ben, bon courage aussi dans vos recherches, voilà. Et puis, ben, ceux qui sont à la retraite, ben, profitez, sincèrement, profitez. Et puis voilà. Allez, eh ben, écoutez, bonne journée et puis à bientôt. Ciao, ciao.